Quand tu étais petite, on t'appelait la blanche, non? Parce que tu étais trop brune. Ta mère t'appelait bébé joufflu, non? Et les oncles, tout le monde dans la famille t'appelait ma belle, non? Parce que tu étais très belle. Maintenant, regarde comment tu es devenue. Tu as fané. Tu as trop fané. Regarde-toi. Je suis sûre que tu étais plus blanche que ça. Tu ne ressembles plus à rien. Tu ne ressembles plus à une jeune fille. Le gars là te fanny, te suce. Mais toi, tu es toujours là-bas. Tu es là-bas que tu cherches quoi? Hein? Quand un homme t'a attrapé, il va te taper jusqu'il va te tuer. Bien, tu n'as pas honte. Comment tu dis que les bassins sont des grosses bordelles? Tu n'as jamais vu quoi? Avant d'arriver chez moi, on m'appelle d'abord. Bah, tu es trop faible. Arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Mais je suis pas là pour la gare, je dis d'abord. C'est bien, bon. Où est Shuna? Je suis sensible. Tu me demandes Shuna, il marche souvent avec elle. C'est parce que je ne l'ai pas vue depuis le matin. Pardon. Ngono, est-ce que tu peux... Entrez. Ma chérie, tu t'es égarée ou bien tu t'es trompée de destination? Ouais. Excusez-moi de vous déranger, mais... Parce que mon mari m'a tapé. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils. Maman, et toi, tu as marché dans tout ce camp? Et tu as vu que c'est nous, les filles, que tu passes ton temps à dénigrer qui peuvent te donner les conseils. Ouais, il n'y a pas le pardon chez vous. Je ne vais pas vous dénigrer, mais ce n'est pas comme si vous détestez. Mais maintenant, je suis venue avec vous, je me donne besoin des conseils. Ah, continuons, l'autre est trop long. Ok. Donc, tu viens demander les conseils aux filles célibataires. Célibataires. Ok, ma. Je vais t'expliquer. Je vais te dire qui est ton mari. Dans le quartier, si tu vois, non, on l'appelle le délivreur. Donc, il délivre toutes les filles du quartier. Maman, toutes les filles du quartier, s'ils connaissent la position de votre lit, on connaît tout. Elles connaissent tout. Comment votre lit est placé, où est votre panderie, tout. Elles connaissent. Et tu es ici là, tu pleures quoi? C'est Dieu seulement qui te sauve. C'est Dieu qui te sauve, ma mère. Tu comprends, non? Ma chérie, quand tu étais petite, on t'appelait la blanche, non? Parce que tu étais trop brune. Ta mère t'appelait bébé joufflu, non? Et les oncles, tout le monde dans la famille t'appelait ma belle, non? Parce que tu étais très belle. Maintenant, regarde comment tu es devenue. Tu as fané. Tu as trop fané. Regarde-toi. Je suis sûre que tu étais plus blanche que ça. Tu ne ressembles plus à rien. Tu ne ressembles plus à une jeune fille. Le gars là te fané, te suce. Mais toi, tu es toujours là-bas. Tu es là-bas que tu cherches quoi? Hein? Quand un homme t'a attrapé, il va te taper jusqu'il va te tuer. Maman, si c'est moi, non, je divorce. Pardon, si tu veux divorcer, non. Divorce. Non, ça va, en tout cas, merci. Vous êtes mes anges, je suis terrible. Divorce, c'est pas un peu rester avec moi. Mais c'est mon divorce, c'est bon. Quoi, chérie? Tu
compris. Tu veux divorcer? Pardon. Non, je veux tout. Mon problème de rien du tout, tu veux déjà divorcer. Mais là, c'est comment? Pas juste ça, tu pleures. Je pleure pourquoi? Tu fais quoi ici? Je veux pas répondre. Tu veux pas encore? Je veux partir. Mais comme ça, chez qui? Chez les deux sorciers ici. Pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si le diable m'a seulement touché la nuit. Pardon, pardon. Tu ça ne va plus se répéter. Pardon seulement. Allons arranger nos problèmes à la maison. S'il te plaît. Pardon, tu sais que je t'aime, non? Pardon. Sauve-le, sauve-le! Circulez! Tu veux que tu viennes parler de nos problèmes avec ces deux sorciers ici? Elles sont les deux. Sortez! Elles vont d'abord te dire quoi? Elles vont juste te frotter sur l'occasion. Sortez! Sortez! On ne vous veut pas ici, sortez! C'est comment? Elles vont fiche au câble! Regardez-les! Couple de ratés! Toi! La prochaine fois que tu vas avoir des problèmes avec ton mari, ne remets plus tes pieds ici. Parce que si tu remets tes pieds ici, on va les découper. Ah vous ne pouvez jamais gâter mon foyer. Vous allez. Vous ne pouvez pas vous marier. Hein? Vous pouvez aller chercher les maris des gens. Hein? C'est quoi ça? Bon, mais toi, tu manques trop quoi sur lui comme ça? Et puis quoi? Eh, même si je manque, moi, le problème. Toi-même, toi, tu avais la possibilité là, de mentir. Tu n'avais pas menti. Tu connais en plus la position de leur lit. Toi-même, tu n'as pas souvent là-bas. Tu m'as la vu là-bas. Et si je sais que tu fais ça. Si elle faisait ça, c'est pas pour moi. Il voulait seulement t'aider. Parce que tu nous enfonces ici à la maison. Il est temps pour toi que tu ailles en mariage. Monte seulement les escaliers ici, là, tu pars. Tu pars entrer chez lui. Tu es ici. C'est ta vie comme ça. Je n'ai pas. Regarde, elle est mariée, toi tu es ici là. Toi tu es mariée. Allez, pardon, passe. Regardez-moi celle-ci. Ouf. Tu t'as dit que je voulais le mariage. Hé, hey, je te rappelle que je suis de la famille de Samuel et ton fils. On m'appelle Boketo. Si je suis ici là, ce n'est pas parce que la vie me dépasse ou la vie a dépassé ma famille. Regardez-moi comment elle est. Je t'ai dit que je voulais le mariage. N'importe quoi, souffreteuse. Tu es là, tu veux le mari de tout, tu ne veux pas accepter. Et si je mettais le poison dans le verre de l'eau? Jamais, jamais. Et si on cassait et chacune prenait sa roue? Jamais, jamais. Vraiment, vous voyez qu'on a besoin de l'un comme de l'autre. Donc j'invitais tous les caméras vivre ensemble. Et nous sommes fiers de vivre sous le même toit. Même s'il y a des jours, on n'a pas envie de se voir. Je parle des jours, on a des problèmes. Mais au fond, on sait qu'on est une.